Suera Evian, on y est. Alors, qu'est-ce que la Suera et pourquoi sous l'égide de la Suera? Donc, comme Fabienne Chalière vient de l'indiquer, c'est la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Elle compte parmi les 4 stratégies mises en place par la Commission européenne sur le territoire européen. Merci de votre présence, bienvenue dans cette belle ville d'Evian et je remercie la Suera d'avoir accepté de venir pour votre colloque ici et je remercie aussi l'équipe du cluster. Comme disait Cécile Violant, nous sommes un territoire d'eau. Le lac, hein, nous avons le plus grand lac d'Europe, le lac Léman, nous avons la neige, les montagnes, beaucoup de rivières, l'eau potable, l'eau minérale. Donc l'observation de la Terre, essayer de mettre un peu l'accent là-dessus. Quelques mots sur l'espace et les objectifs du développement durable, parce que c'est aussi en lien avec tout ce que vous faites sur l'eau, et donc des mots un peu plus généraux. L'initiative ESALAB qui nous a réunis, qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a signé un partenariat avec le cluster. Alors dans une réunion comme celle-ci, on paraît tous absolument acquis, mais véritablement, on le sait individuellement que tel n'est pas le cas. Autrement dit, on a des résistances, et vous avez fait allusion à ces résistances, et il s'agit de montrer que nous n'avons plus le temps, précisément, de pouvoir vivre de cette manière-là, et c'est véritablement le mot-clé, c'est « ensemble ».